Allez, Pacôme. Allez, Tristan. Allez, Pacôme. Arthur, le Breton en deuxième position et pour l'instant en troisième position Maël Brunet. Voilà, donc en tout cas ça racle très très vite sur ce parcours course à pied. Et il me semble que la première féminine ce soit Azilise Percha, donc la première dans cette catégorie féminine avec quelques longueurs d'avance sur Naïs Rioux. Voilà, donc d'ores et déjà donc le cœur qui va sortir du parc à vélo, donc celui qui a fait le meilleur chrono pour l'instant en course à pied. Juste devant Arthur Le Breton, l'agneau triathlon. Ils ont fait le trou. Allez Naïs. Allez Naïs. Et là, les deux de start 145, c'est Roman Joannico. Allez, Roman. Allez Naïs. Notre dernier concurrent donc, qui va quitter le parc avec le de start 276. Allez Tristan, allez Tristan. Et du coup, on est parti maintenant pour toi. Allez Pacôme, c'est ta spécialité. Allez Tristan, c'est ton domaine. Allez Pacôme. Allez Azilis, c'est bien là. Allez Mathieu, allez Tristan. Allez Pacôme. Et maintenant dans l'ascension, et ben c'est l'homme de couleur de Valenciennes qui fait le choix pour venir au Tour. Allez Tristan. En tout cas, donc un parcours sélectif à vélo donc qui devrait donc permettre. Ils ont des beaux vélos. Ça fait la différence. Allez, bravo. Alors les filles, elles sont où? Ah, première là, je crois. Ah non, non. Là, il y a des filles. Allez. Il est presque à la tête des VTT. Allez, Pacôme. Allez, Pacôme. Allez Tristan. Allez Arthur, bravo Arthur.
Bravo Pacôme, c'est bien. Sylvain Marie, d'une entrée de Alexandre jusqu'au bout. Et Marius Guivarche maintenant, donc notre ami Marius Guivarche. Allez Tristan, allez Tristan. Qui va donc chercher la troisième place. Allez Arthur. Allez Marius. Marius donc pour une très très belle cinquième place donc pour Joseph Guivarche de lancer de quelques longueurs. Allez Pacôme, c'est bien. Le breton. Allez Pacôme. C'est bien Pacôme. Et là c'est Tito Resno Canvey qui termine avec quelques longueurs d'avance. Allez Pacôme, allez Tristan. Bravo Tristan, c'est bien. Et le maillot de pleureur VTT qui va en terminer maintenant, porté aujourd'hui par... Allez! Allez Pacôme, bravo. Allez Tristan. Allez Tristan, c'est super. Il est lucide encore. Allez Dan, allez Dan. Oh, il se complique là. Allez Dan. Allez Dan. Allez Dan, c'est bien. Allez. Bravo! Bravo! De vélo et on terminera par 500 mètres. Allez Nicolas, c'est bien. En tout cas, donc, c'est parti très très vite sur cette épreuve de Benjamin. Allez, une petite cinquantaine de secondes à l'entrée du parc. Bravo. Allez Nicolas, allez Elliot. Allez Antonin! Allez Camille! Allez, c'est super!
Allez, donc le premier entré dans le parc à vélo, et il s'agit du Dossard 84, Arthur Perchin. En deuxième position, celui donc qui l'accompagnait, c'était donc Nicolas Miguel Pastor. Troisième position donc avec le Dossard 63 porté par Sohan Levert. Quatrième position pour l'instant avec le Dossard 87. Et Nota Lugal. Voilà donc pour donc des Benjamin. Et là c'est Zoé Roussel là maintenant qui sort donc. Certainement, allez, Léon! 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 Allez, maintenant parc sous la pression d'Eliott. Allez Nicolas. Voilà, c'est la troisième place qui se joue maintenant dans le parc à vélo.
Allez, voilà, donc on a pris. Allez, Eliott! Allez, donc maintenant, Léo Manus qui rentre aussi, qui vient de poser son vélo et qui sort maintenant du parc. Louis Onguilarche, allez! Louis Onguilarche qui sort maintenant. Et la première féminine, Zoé Rouxel, maintenant à la transition, donc à la T2, comme on l'appelle habituellement. Allez Antonin, allonge la foulée. Super Antonin. Super. J'ai encore un tour à faire, c'est ça? Non, non, non. C'est fini, là. C'est fini, là. Allez, jusqu'au bout, là. Jusqu'au bout, et après, c'est bien. 153, là. Allez, cool, merde. Deuxième, elle porte les couleurs du Lagnon qui a nous aujourd'hui, Marco Perra. Et enfin, celle qui remporte l'épreuve et qui montre peut-être la voie demain à son papa pour aller chercher une belle place sur le podium du XS, Zoé Rouxel. Après, il est troisième aujourd'hui, c'est les Benjamins, Monsieur Eliott Le Gall. Je pense qu'à ce petit jeu-là, il n'a pas une main non plus. Deuxième place pour Antonin Gavrilovic. Et enfin, c'est le dernier, donc c'est pour lui que vous allez faire le plus de bruit. Il remporte la catégorie des Benjamin, Monsieur Nicolas Miguel Pasta. Le public, est-ce que vous êtes là? Oui! Est-ce qu'il vous reste encore un peu de force? Oui! Alors le public, faites le maximum de bruit! Oui!